chaque église de partout manifeste sa désapprobation. Now every church seems to be thumbed down on me. Cela est simplement a simplement l'air d'être une faillite. It just looks like we're defeated. Il semble que nous soyons vaincus. Like we're just about broke. Ne vous inquiétez pas. Don't you worry. Savez-vous? You know? C'est d'habitude à ce moment-là que Dieu entre en scène. It's usually at that time when God steps to the scene. Pour faire quelque chose qu'il avait en vue depuis longtemps. To do something he's been watching for a long time. Rappelez-vous cela. Don't you remember? Savez-vous? You know? 225. C'est toujours dans ces moments les plus faibles. It's always at the time when God steps to the scene. Quand il semble que le vrai message est pratiquement vaincu. To do something he's been watching, but it looks like the true message is about defeated. C'est alors que Dieu entre en scène. That's when God steps in. C'est toujours dans ces moments les plus faibles. It's always at the time when God steps in. Quand il semble que whatever they're fighting about, you're not in. Préparez-vous et rendez-vous. Prepare yourself. It looks like the true message is about to come. Il laisse le message et le messager aller au centre. He lets the message and the messenger go to the end of the road. Voyez-vous? It's always at the time when God steps in. Il entre en scène. Then he comes riding. He comes in and rides the high waves. In his trouble, God is still going. That's the message of the message to be our growth. You hold on to someone, you stay with him, and then he comes riding, but the individual is riding. He comes in and rides the high waves. In his trouble, God is still going. That's the message to be our growth. You hold on to someone, you stay with him. He looks pretty weak now for the message. The message he comes in rides the high waves. Don't you worry. Somewhere. It looks pretty weak now. How? A lot of people interpret it as true. Somewhere. I don't know how. But I'm trusting him. Don't you worry. Come riding on the scene someday. Somewhere. But he says, don't you worry. A lot of people interpret it as true. Don't you worry. I don't know how. Wake up. Come riding on the scene someday. Prepare yourself. We're at the end of time. All this is predicted by the Bible. It's predicted by the Bible. And it's manifested. So let us go together. Let's bow our heads together. We must be united. Ici, il nous invite à quelque chose. So now he invites us to something. C'est dans Dieu tient sa parole. Is God keeping his word? Cette deuxième partie. The second part. Dieu tient sa parole. Tête ensemble. Bow our heads together. God keep his word. Second part. Must be united. Dieu nous aime beaucoup. God loves us very much. So now he invites us to something. God loves us very much. Is God keeping his word? It's us who don't love God. Lui nous aime tellement. He loves us so much. Unique. He says, his only begotten Son, unique, united, so whosoever shall believe in him, God loves us very much, shall not perish, God loves us have eternal life. And that eternal life, we don't love God, is the Holy Ghost. He loves us so much, that needs to direct us, that needs to transform us. The God says, whosoever shall believe in him, God loves us very much. That's the reason why I perish, God loves us have eternal life. If the church doesn't prepare itself, eternal life is the Holy Ghost. It's up to you to get ready. He says it needs to transform us. Your invitation is launched as it's not to the group, but to the individual. I haven't said this church doesn't prepare itself. That eternal life means you take the Holy Ghost. It's up to you to get ready. Your invitation is launched as it's not to the group, but not to
to the individual. Not to be able to impress you, but to help you. The true Holy Ghost of God. To help you, you won't have the Holy Ghost to impress people. Not to the individual. The Holy Ghost gets in you. Not to be able to impress you, to lower you, to help you. The true Holy Ghost of God. To show you that the others are above you. The others have to tell you that you are a great man. But you yourself, Holy Ghost gets in you. Don't call yourself a great man. To lower you, to help you. The true Holy Ghost of God. To show you that the others are above you. See, my hair is white. And the others have to tell you that you are a great man. My hair was black. But you yourself, Holy Ghost gets in you. Don't call yourself a great man. To lower you, to help you. The truth is still love to give. To show you that the others are above you. See, my hair is white. And the others have to tell you that you are a great man. My hair was black. But you yourself, Holy Ghost gets in you. Don't call yourself a great man. To lower you, to help you. If the church is not getting ready, it's your job to get ready. The Bible says the bride prepared herself. The bride prepared herself. The Bible is clear. The bride prepared herself. The clothes are paid for. They're ready. Mais vous devez être prêt à porter ces vêtements. But you must be ready to wear those clothes. L'église s'est préparée. The church has gotten ready. Une partie de 80. A part of 80. Maintenant, les frères, écoutez. Now, brother, listen. Si l'église ne se prépare pas, if the church doesn't get ready, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Of these stones, God is able to raise up children unto Abraham. Dieu s'arrête là. God stops there. Si l'église ne répand pas, if the church doesn't repent itself, l'église maintient sa position, the church maintains its position. Alors vous préparez-vous. And then you get ready. La Bible dit que l'épouse s'est préparée. The Bible says the bride got herself ready. C'est la partie qu'on va commencer la semaine prochaine. That's the Pentecost we saw next week. L'église s'est préparée elle-même. The bride got herself ready. Quand l'épouse s'est préparée, when the bride got ready, en fonction de ce qu'elle a entendu, according to what she heard, de ce qu'elle a placé dans son cœur, what she placed in her heart, et maintenant, and now, l'épouse, the bride, est en train de faire ses derniers préparatifs, is making her last preparations. Comprenez pas bien. Now understand. L'épouse était de faire ses derniers préparatifs pour son départ. The bride is making her last preparations for her departure. Et le départ est individuel. The departure is individual too. Quand j'étais à CBT en 89, when I was in CBT in 79, on causait avec les petits Congolais qui sont là-bas. We talked with the little Congolese that were vieux, there. Vieux, quand il va enlever ses enfants, you know, when he wrapped his children, je vais tenir la main de mon père et puis quand I hold my father's hand. Sa main et puis il m'amène. Il non. And another one holds my hand. Vous n'avez pas le temps de prendre le pied de votre père. No, you won't have the time to hold your father's hand or your mother's hand. C'est individuel. It's individual. C'est individuel. It's individual. L'enlèvement est individuel. The rapture is individual. Donc l'épouse est en train de faire ses derniers préparatifs. So the bride is getting herself ready. Et on va terminer ce jour-là comment faire ces préparatifs. And we're going to show you that day how to get ready. Les millions de the second coming is there. Second coming. But the second coming, nous devons remplir des conditions. Must be filled with conditions. Pour assister à la seconde venue, we must fill the conditions to fulfill the second coming. On doit nous montrer comment y arriver. They need to show us how to get there. On nous montre comment y arriver. They show us how to get there. Qu'on doit se détacher des groupes. We need to detach ourselves from the group. Detach ourselves from fanatism. Nous devons être fanatiques du Seigneur Jésus. Must be fanatic of the Lord Jesus Christ alone. Parce que les fanatiques sont comme des chiens méchants. Because fanatics are like mad dogs. Comme des chiens de garde. Like watchdogs. Comme des chiens de garde.
like watchdogs. They're around you. If they touch you, they strike you. We need to get angry when they curse Jesus. Then there's a problem. When they despise him, then there's a problem. C'est lui notre finale. Because he is our finale. Si nous les manquons, fini, nous restons. If we miss him, then it's over. Alors, we miss irons en enfer. We'll go to hell. Mais comme il s'est présenté, but since he presented himself, alors, soyons conscients de préparer nos âmes à la délivrance totale. Be conscious to prepare your soul for a complete deliverance. Okay. All right. J'ai quoi pour aujourd'hui? I believe for today. On s'arrête par ici. That's where we stop. La semaine prochaine, Dieu voulant. Next week, God willing, nous allons commencer à voir comment l'épouse s'était préparée. We'll start seeing how the bride got herself ready. Qu'est-ce qu'il faut faire? What must we do? Une fille qui se marie. A woman getting married. D'abord, on va commencer à l'aider par ses parents. We'll start helping her. Mais quand le mariage ce sera samedi, but when, alors là, c'est elle-même qui va se préparer. It's on Saturday. Herself will get ready. Ses ongles. She'll look at her nails. Elle commence à voir son miroir. Look at her mirrors. Elle voit les dents. She checks her teeth. Si un peu de fumbo là-bas, il enlève. There's some fumbo there. She takes elle, it out. Elle va vérifier tout. She'll check everything. Quand le mari le verra, la verra. The husband will see him. Qu'elle ne voit rien de sale. He sees nothing dirty. Elle va se préparer elle-même. She'll get ready herself. Dans sa chambre. In her room. Avec son miroir. In a mirror. Et maintenant pour l'épouse. And now for the bride. Personnellement. Personally. Avec la brochure. With the sermon books. Avec la Bible. And with the Bible. Tu compares ta vie avec la Bible. You compare your life to your tu Bible. Tu compares ta vie avec les messages. You compare your life to the message. Tu te prépares sérieusement. You're getting ready seriously. Parce que tu ne sais pas si c'est le soir. Because you don't know if it's evening ou si c'est time. Demain, or if it's tomorrow. Ou si c'est l'endemain. Or if it's the day after tomorrow. Enlevé. There will be rapture. C'est un secret. It's a secret. Que Dieu garde. That God keeps. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Amen, amen. Que Dieu bénisse Papa Landou. Amen, amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Et descendre le volume de ça, s'il vous plaît. We're going to stand. Nous allons chanter un tout petit peu. We'll just sing a little bit. Et nous prierons le Seigneur Jésus. And we'll pray the Lord Jesus. C'est le moment où chacun ait une expérience personnelle avec le Seigneur. It's a moment for everyone to have a personal experience with the Lord. Tu dois avoir ton expérience. You must have your experience. Amen. Amen. Car comme je l'ai dit, that I've said, c'est toi qui vas au ciel. You are going to heaven. C'est pas nous qui allons au ciel. It's not us going to heaven. C'est l'individu qui va au ciel. It's the individual going to heaven. Donc, c'est cet individu qui doit se préparer. So that individual must get ready. Être sûr que sa vie est digne de l'évangile. Be sure her life is worthy of the gospel. Amen, amen. Amen. Nous n'irons pas au ciel ensemble. We won't go to heaven together. Bien que l'enlèvement est collectif. Even though the rapture is collective. Mais nous n'irons pas au ciel ensemble. We won't go to heaven together. Chacun monte de sa façon. Everybody goes up in their own way. Je ne tiens pas mon pied. You won't hold my foot. Je ne tiens pas ta main. I don't hold your hand. Et c'est chacun qui ira au ciel. Everyone is going to heaven. Amen, amen. Amen. Et pour aller au ciel, and to go to heaven, il faut posséder le baptême du Saint-Esprit. You must have the baptism of the Holy Ghost. Avoir le Saint-Esprit en have soi. The Holy Ghost in you. Car Christ en vous. Because Christ in you, c'est ça l'espérance de la gloire. That's the hope of glory. So the experience that we must have is to first seek the kingdom of heaven and its righteousness. The kingdom of heaven is the Holy Ghost. You must have it. Amen, amen. Amen. To get there, you must look to Jesus. Because he's the one that called you. Because he called you. If Jesus called you,
Be sure that he'll finish the work. Comme je l'ai toujours dit, as I've always said, sois comme un habit mouillé, be as a wet cloth. Un habit mouillé, a wet cloth qui est placé sous le soleil, placed under the sun. Et à force de rester sous le soleil, by staying under the sun, cet habit se séchera. That cloth will dry out. Et Jésus Christ, and Jesus Christ, c'est le soleil de la justice. He is the Son of Righteousness. Et quand nous sommes mouillés par nos péchés, so when we're wet with our sins, nos faiblesses, our iniquities, our weaknesses, et allons-nous sous le soleil de la justice. Let us lay out before the Son of Righteousness. Et allons-nous sous Jésus Christ. Let's lay out in Jesus Christ. Et à force de rester sous Jésus, and by staying under Jesus, tous les péchés partiront de nous. All of sin will leave us. Amen, amen. Amen. Et un jour tu pourras dire, and one day you'll be able to say, it's not me that liveth, but it's Christ that liveth in me. Amen. Amen. Near the cross. Oh,
Look unto Jesus. He's taken all your burdens. No matter what your weaknesses are, there is someone that accepted to take your place. He said, I take the place of my son. I take the place of my daughter. I don't want them to die. I take their place. I die in their place. And that man is the Lord Jesus Christ. Lift your voice towards the Lord and speak to Jesus. Tell something to the Lord Jesus. Say something to Jesus. Speak to the Lord. Il a ses oreilles ouvertes. He has his arms wide open. Il a ses oreilles ouvertes. He has his ears open. Pour écouter ta prière. To hear your prayer. Et sache qu'il répond toujours. And know that he always answers. À la prière de ses enfants. To the prayers of his children. Parle au Seigneur Jésus. Speak to the Lord Jesus. Thank you.
Papa Martin, we ask Papa Martin to pray for the end of our service. Papa Martin, he'll pray for the closing of our service. If you have a request, alors levez votre main. Then raise your hand. Il priera pour vous rétablir. Dieu notre Père céleste, God, our Heavenly Father, Dieu tout puissant, Almighty God, Créateur du ciel et de la terre, Creator of heaven and earth, Auteur de la vie éternelle, Author of eternal life, Donateur de tout don excellent. That we give nous te remercions, Seigneur, ce jour. Thank you, car tu as été merveilleux pour nous, Père bien-aimé. C'est toi qui nous as parlé depuis le ciel. Oh Dieu d'amour et de paix. God of love, of peace. Tu nous as placés dans ce temps de la fin. Un temps terrible. Un temps où la confusion est totale. Un temps où nous avons découvert la doctrine de Satan. Oh la séduction religieuse, Père bien-aimé. Mais toi, tu nous as donné la clé. Tu nous as donné la formule, Père. Tu as mis en nous diable, mon Dieu, mon roi. He said, car l'écriture déclare, oh Dieu bien-aimé, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne pouvait être sauvé. That no one could be mais saved. Toi, tu as abrégé les jours. So you toi, tu as donné la révélation, Père. You gave the revelation, le message et le messager, the message sans the messenger. Être en faillite, Père. Le temps semble être au découragement. Mais Dieu du ciel, c'est le temps où la prophétie doit s'accomplir. Il y a quelque chose en réserve. Il y a quelque chose que tu peux mettre sur la scène. Oh Dieu, maintenant Père, nous avons besoin que toi tu nous donnes ta révélation. Nous avons besoin, Père bien-aimé, que tu fasses chacun de nous un croyant. Oh Dieu d'amour, s'il y a un temps où nous devons réellement croire, c'est ce temps ici. Parce que le combat fait rage. La bataille est totale. Viens à notre aide. Viens à notre secours, Père bien-aimé. Oh Dieu d'amour. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Nous avons écouté ta parole. You heard your word. En tant qu'homme, Père, nous sommes sujets à l'oubli. Nous sommes sujets à l'amnésie. Envoie maintenant ton glorieux Saint-Esprit. Que la parole qui a été dite, Père bien-aimé, puisse trouver vie en nous. Que le glorieux Saint-Esprit puisse vivifier cela. Oh Dieu bien-aimé, merci Seigneur pour un ministère comme celui-ci. Merci pour notre papa Hubert. Bénis le Seigneur notre Dieu. Fortifie le Père de gloire, remplis de sagesse,
bénis son ministère. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Nous allons partir maintenant, Père bien-aimé. Mais il y a les requêtes non exprimées dans le cœur de tes enfants. Toi, tu as dit, Seigneur, ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, faites connaître à Dieu par des prières de supplication vos besoins. Le Dieu qui est riche en miséricorde, il donnera solution à vos problèmes. Maintenant même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tous tes yeux qui se trouvent dans le cœur, qui a été exprimé ou non, trouve satisfaction. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration, car tu en es digne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Au revoir à Dieu. Alléluia. J'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que j'ai dépose mes âmes. Je veux m'attacher à la vieille croix et le chanter avec une couronne. Oh, ainsi j'aimerais cette vieille croix. Seigneur soit glorifié. Blessed be the name of the Lord. Amen. Comme je l'avais dit au commencement, notre pasteur, our pastor, est à Kinshasa pour le moment. Is in Kinshasa for now. Le pasteur de cette église, the pastor of this church, c'est le pasteur Baruti Kasongo, Leonard Bin Jadi. Leonard Bin Jadi. Je suis son associé. I'm his associate. C'est lui la tête de cette église. He is the head of this church. Alors, chaque dimanche, chaque jour, nous sommes ici. Every Sunday, every day that we're here, vous devez quand même connaître là où votre pasteur se trouve. We need to know where the pastor is. Et savoir ce qu'il fait. And know what he's doing. Donc, la semaine prochaine, so next Sunday, il sera encore en Bujimaï. He'll be in Bujimaï again. Pour une campagne d'évangélisation. For our evangelization campaign. Avec le pasteur Kabuya. With Pastor Kabuya. Et ça se fera, je crois, c'est là, le week-end qui vient ici. It'll be this following, coming up weekend. Prions pour ça. Let's pray for that. Que ce soit une réussite totale. That'll be a complete success. Et nous vous rappelons aussi pour la construction. We want to remind you about the construction. Et les contributions mensuelles. And monthly contributions. Nous aimerions que chacun de vous puisse y penser. We'd like every one of you to think about je crois que vous voyez vous-même comment la salle devient trop petite. I think you see how the room becomes too small. Bien qu'il y a des gens qui ne sont pas ici aujourd'hui. Even though there's people that are not here. Quand tout le monde est là, il n'y a même pas de place. But when everybody's here, there's still no room. Et donc, on ne veut pas voir les gens debout. So we don't want to see people standing up. Nous voulons aussi que Dieu nous bénisse pour que nous puissions construire. We want God to bless us so we can build. Que ce soit aussi un sujet pour lequel vous allez prier. It also be a subject for which you pray for. Et c'est nous qui devons aussi soutenir. We must also support it. À tout moment que je prie le Seigneur. At all times we pray the Lord. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. I pray the Lord. I say, bless us, Lord. Je bless sais pas, ça c'est moi. That's me. Dieu me dit, j'ai déjà béni. God says, I've already blessed. Il dit, les gens sont bénis. The people are blessed. Les gens que j'ai bénis. The people that I've blessed. Doivent soutenir ma maison. Needs to support my house. Il dit, vous avez des travaux facilement. So you have jobs easy. Il y a des ceux qui souffrent. There's some that suffer. Pour en avoir. To have them. Et je vous accorde des travaux faciles. And I grant you work easily. Mais vous ne soutenez pas ma maison. But you don't support my house. Alors ça c'est ce que moi j'ai. Yeah, so that's what I have. Alors quand Dieu vous a béni. So when God blesses you. N'oubliez pas de payer l'argent de Dieu d'abord. Don't forget to pay God's money first. La dîme c'est l'argent de Dieu. The tithing is God's money. Quand tu ne payes pas. You don't pay. La Bible dit que tu es voleur. The Bible calls you a thief. Or, un voleur n'héritera pas le ciel. A thief won't inherit the kingdom of heaven. Rien qu'en ne pas payer ça. Just by not paying it. Tu es voleur. You're a thief. Alors tu n'iras pas au ciel. So you won't go to heaven. Parce que c'est l'argent de Dieu. Because it's God's money. Amen. Amen. Juste vous rappeler pour ça. Just to remind you ce that. Sont des choses préliminaires. These are preliminary things. Des choses préliminaires. Preliminary things. Et nous devions tous savoir. And we must all know that. Amen.
Faisons cela et Dieu nous bénira. Let's do it and God will bless us. Amen. Amen. Vous verrez réellement. Dieu dit si vous faites ça. God says if you do so. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses. See if I don't open up the storehouse of heaven. Donc si tu n'es pas béni. If you're not blessed, c'est toi-même qui bloques ta bénédiction. You're blocking your own blessings. Parce que tu ne respectes pas la parole. Because you don't respect the word. Tu dis, je vais devenir millionnaire. You say, I won't become a millionnaire. Qui ne deviendra jamais millionnaire. You'll never become a millionaire. Quand tu ne respectes pas ça. Or you don't respect that. C'est ça la base. That's the basis. Tu ne respectes pas ça. You don't respect that. Oublie la bénédiction. Forget the blessings. Tu n'en auras pas. You won't have them. Commence par la base. Start by the basics. Et Dieu dit, si tu fais ça, God said, if you do so, j'ouvrirai toutes les églises du ciel. I will open all the storehouses of heaven. C'est ça la bénédiction. That's the blessing. Ça vient de Dieu. It comes from God. Et Dieu sait que tu es voleur. And God knows that you're a thief. Il ne bénit pas. He won't bless. Je crois que j'ai dit quelque chose. I believe I've said something. Alors pensons-y. So let's think about it. Et nous serons bénis. And we'll be blessed. Il n'y a pas de birthday aujourd'hui. There's no birthdays today. C'est étonnant. It's surprising. Are there any birthdays? Alors j'avais annoncé ici la fois passée. So I announced here last time. Qu'il y a une campagne d'évangélisation à Kinshasa. There's an evangelization campaign in Kinshasa. Vraiment, jusqu'ici il n'y a encore personne qui n'a rien fait. Till now nobody has done a thing. N'attendez pas le mois d'août pour que nous soutenions ça. Don't wait for the month of August to support it. Nous aimons notre pasteur. Love our pastor. Nous aimons que l'évangile soit prêché à tout le monde. We want the gospel to be preached to everyone. Soutenons cela. Support it. Jusqu'ici il n'y a encore rien de la part de personne. So now we have nothing from anyone. Mais c'est le mois prochain. It is next month. Faites quelque chose. Do something. Et Dieu vous bénira. God will bless you. Amen. Amen. Il y a le pasteur Faustin Kalombo de Boston. Pastor Faustin Kalombo of Boston. Et qui fête ses 10 ans de son église. They're celebrating his 10th year anniversary of the Alors, church. Il nous avait envoyé des invitations so ici. He sent us some invitations here. Moi, je ne suis vraiment pas sûr que je pourrai partir. I'm not sure that I'll be able to go. Donc, je dois aussi aller à Kinshasa. So I need to go to Kinshasa. J'attends mon visa. I'm waiting on my visa. J'ai déjà introduit les dossiers. I've already introduced the documents. Donc, dès que j'ai le visa, so je vais confirmer le billet. Alors, I'll have my ticket. C'est ça les invitations. So this is the invitation. Il nous a envoyé. That he sent us. Pour toute personne qui veut aller là-bas. For everybody that wants to go. Et ça sera le 12, du 12 au 14 août. Be from the August 12th to August 14th. Du 12 au 14 août, ouais. From August 12th to August 14th. Alors ça sera pratiquement impossible pour moi d'y aller. And so it'll be practically impossible for me to go. Parce que je peux voyager Dieu voulant le 16. Because I travel on the 16th, God willing. Dieu voulant. God willing. Le 16 août. August 16th. Alors si quelqu'un a besoin de ça, il y en a beaucoup. So if someone needs it, there's many of them. Ils ont envoyé plus de 20. Over 20 invitations. Alors venez, nous allons vous donner l'invitation. So come and we'll send you the invitation. Pour que vous puissiez aller là-bas. So you can go there. Et je sais pas comment pour le logement. I don't know how to avec eux. Room people, I haven't talked to them. Mais je crois que si vous pensez aller, I believe that if you go, they'll take care of some things. Alors pour aujourd'hui, so as of today, je crois que nous allons terminer notre service. I believe we're done for our service. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit pour le mercredi? You remember what I said for Wednesday? Qui sait ce que j'ai dit pour le mercredi? Who knows what I said for Wednesday? Parler ensemble, c'est quoi? Speak together. Pas ici. Si tu veux venir prier ici.